Bonjour et bienvenue sur Legata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, vous êtes en présence du Droid Tech et c'est parti pour l'épisode 3 de Aspire Inner Tales sur Legata TV. Un jeu qui m'a particulièrement botté. Du coup, je continue la série tranquillement. J'ai regardé pas mal de trucs, donc je me suis pas spoilé les jeux, mais j'ai regardé au niveau de la durée de vie et donc le jeu est environ fait en 4 heures. Donc on va voir un peu ce que ça va donner et je vais essayer de terminer le jeu, un peu le fil rouge de cette année. Je vais pas mettre un an pour le faire, mais je me comprends. Donc j'espère que vous avez apprécié les deux premiers épisodes. Si t'as pas vu les deux premiers, go les regarder si t'es motivé. Voilà, petits épisodes tranquilles. Là, ça va être parti pour un épisode d'environ 15 minutes, je pense, 15-20 minutes, pas plus. Histoire de pas trop saouler sur le jeu et pas trop spoiler non plus. En fonction de comment tu avances et tout ça. Donc en fonction des personnes. Il y en a qui vont avancer beaucoup plus ou moins rapidement par rapport à moi. Donc voilà, donc là actuellement je suis sur Nintendo Switch. J'y joue avec le Pro Controller. Et on va continuer l'aventure. Où suis-je? Le jeu m'avait particulièrement botté, je dois vous le dire. Quoi? C'était tes amis? Je suis sincèrement désolé. Pardon, je n'arrive pas à trouver les mots. Continuer à briller pour honorer leurs souvenirs, parfois, c'est tout ce qu'on peut faire pour ceux qu'on aime. Donc là, pour l'instant, je peux pas bouger. Du coup là il s'est arrêté, on va voir. On va aller chercher l'énergie là-haut. Allez on y va. Ouais, ça me semblait trop beau pour être vrai. Ok, donc là-haut et là-haut. Donc il y a deux trucs. Ah oui. Ah merde. Ah évidemment. Évidemment. Il y a un truc là-haut, on va voir. Une boule d'énergie que je vais prendre. Là, elle me suit. Va falloir que je... Là, je peux pas la mettre. Peut-être avec le petit robot, à voir. Pas sûr que ça marche, mais on va voir. Non. Je ne peux rien faire. Il va falloir qu'on trouve l'énigme. Oh, pas trouver l'énigme, mais résoudre l'énigme. Donc voilà, il y a une stèle là-bas. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est ça. Ça m'a ouvert la porte. Je peux pas aller là, il va falloir que j'amène la lumière. C'est tout? Ça manque de moi. Ah voilà. Ok, j'espère que je vais avoir assez là pour aller là. Oh nickel. Hop. On continue, voilà. Je vais faire un truc, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Sauf que je recommence. Non, ça veut pas non plus. Hop.
On va continuer à chercher. C'est chiant ça par contre. C'est chiant. Je peux pas l'emmener par là. Pourquoi, je sais pas. Je suis obligé de l'emmener par là. Écoute, ça a l'air d'être ça. Je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Et du coup, j'ai emmené ça là, mais j'aurais pas dû faire ça. Je vais pas pouvoir la remonter. Donc je vais essayer d'aller chercher la lumière. Il y a un checkpoint. Il y en a qui me permet d'ouvrir la porte. Voilà, là j'ai ouvert la porte, tranquille. Ok. Je vais essayer de récupérer ça. Du coup, j'ai quelque chose à faire. Ok. Donc ça, c'est fait. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Et que je n'ai pas fait. Pourquoi aller chercher loin quand on peut faire simple? Une chose de faite. Du coup, le deal va être certainement d'amener les deux. Merde. Je pense. On va tenter comme ça, on va voir ce que ça donne. En espérant que ça soit ça, parce que si c'est pas ça, je me suis totalement lourdé. Ça serait vraiment dommage. On continue. Là, hop, on va essayer tranquillement mais sûrement de tarzonner. Hop. Et non. Je tarzonne mais jusqu'au bout là. En espérant que ça fonctionne. Nickel. C'était bien ce qu'il y avait à faire. On récupère de l'énergie. Ah ouais, lui il monte carrément là-haut. Okay. Il m'attend même pas quoi. Je m'étais bien trompé la première fois. Après, j'avais compris le mécanisme, mais j'avais pas compris comment faire. Hop.
Donc là, il nous attend. C'est parti. Franchement, c'est magnifique. Oula. Non. Ah, heureusement qu'il est là, parce que sinon... On l'entendait tout à l'heure. Hein. Les grognements, là, on les entendait. Hein. Et là, il va tomber dans le vide. Parfait. Petite mécanique, enfin le petit mécanisme là du robot. Du coup là c'est moi qui suis d'accord, ok. Il y a un peu de mal. Oh, regardez-moi ça, c'est super joli. Petite baisse de framerate là, et du coup on a eu le checkpoint impeccable. Là le robot va arriver pépouze, et du coup il va nous enlever s'il veut bien. Là, je pourrais avancer un petit peu. Nickel. On continue. Par contre là, ouais, du coup j'ai pas trop le choix. Ah du coup on revient là où on était tout à l'heure. Ah c'est bien, c'est là où je me suis trompé au tout début de l'épisode. Non, moi ça m'intéresse pas. Ah oui, parce que là tu peux... D'accord. Ah non. Je peux rien faire là. Ah oui, il faut que je bouge ça pour aller là, d'accord. C'est le même mécanisme que tout à l'heure. Ok. Pour récupérer ça, pour ouvrir la porte. C'est un mécanisme qu'on a déjà vu. Après, c'est la mise en application. Donc on entend rigoler là derrière. Je sais pas si vous entendez. Par contre, j'espère que ça va le faire là. On va le mettre là, on verra bien. Hop, on descend. Ah, je me suis pas lourdé sur la distance. Donc il faudra que je recommence. Bon, ça c'est bon. Donc le but là, c'est vraiment, comme la première fois, hein, de mettre l'énergie dans l'hôtel pour ouvrir la porte. Voilà. Ouais, je vais le bousculer. Ah non, je peux pas. Eh merde. Une chance sur deux. Et on continue à tarzonner. Un petit basculement avec le joystick de gauche. Par contre, il veut pas. Bizarre ça. Ah là, ça veut. Ok, ça c'est fait. Mais du coup, j'ai autre chose à faire parce que on n'a pas notre ami avec nous là. On va rester dans la zone. Ah merde. Pourtant, j'étais bien dans la zone. C'est bon. Donc je remonte. Je vais essayer d'aller chercher mon ami. Ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Pourquoi on entend rigoler? Elle est où là? Ah oui. J'ai ouvert la porte. Je comprends pas pourquoi il veut qu'on vienne là. De toute façon, je vais pas pouvoir monter. Hein. C'est pas possible. Hop. Pas compris le délire là. On verra après. Peut-être quelqu'un a sauvé, je pense. Ok. Ah ouais, là-haut. D'accord, c'est pour ça qu'on entendait les voix. Et on les a sauvés. Qu'est-ce qui se passe? A ton avis, c'est le cœur. Vous voyez, je n'allais pas vous laisser en plan. Et nous avons remis en question le bien fondé de vos intentions. Sur ce, mademoiselle la gardienne sentinelle Ina, pourquoi ne pas demander à Flumi d'ouvrir la porte? Ok. Oups. C'est là, avec Y. Ah merde. Ah.
Tu peux ouvrir la voie, tu peux faire ça pour moi. C'est long. Ça marche, ça marche. Et ben voilà. Merci infiniment, je n'y serais jamais arrivé sans toi. La lumière est magnifique. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, bah je crois qu'il est décédé. Il a donné toute sa patate. Que s'est-il passé? C'est ce qu'on a essayé de vous faire comprendre. La liberté a toujours un prix. Mais je n'ai pas voulu faire de mal à personne. Ce n'est pas juste. Ça ne l'est jamais. Et maintenant, que faire? Je ne peux pas laisser Flemmy dans cet état. On va s'en occuper, on va le soigner. Vous voulez bien? C'est la moindre des choses, merci. C'est Flemmy est très courageuse. À présent, vous voulez trouver l'architecte, n'est-ce pas? Tout ce que j'ai à faire, c'est avancer. Sans jamais vous retourner. Donc voilà pour cet épisode 3 sur Aspyr Inas Tales. On se retrouve prochainement pour l'épisode 4 sur la Gata TV. Je vous dis à la prochaine, salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.